Esprit, manifestez-vous. Voilà, sous forme d'orbe, bien sûr, merci. Merci. Il n'y a pas de vent ici, hein. Ça je peux vous l'assurer parce que j'ai quand même un peu chaud. C'est une grande demeure de 4 étages. Il n'y a pas de vent. Tout est fermé. Donc, ce que vous voyez, ce n'est pas de la poussière, c'est effectivement des âmes errantes. Voilà. Des âmes errantes à la recherche de... pour pouvoir sortir et rejoindre la lumière. Ils sont coincés ici dans cette maison, d'après ce que je peux ressentir. Voilà, je fais le tour un petit peu vite fait. Oula, je vais y tomber. Esprit, vous êtes ici dans cette maison, vous êtes coincé, vous pouvez rejoindre la lumière. C'est mon but, en tout cas. Ici, voilà, merci. Vous vous manifestez à plusieurs, vous êtes beaucoup ici, hein. Cette maison appartient à une dame, à une chinoise. Quel est votre lien? Quel est le lien qu'il y a entre vous et cette femme? Est-ce que vous êtes de la même famille, des amis? Ou vous êtes juste de passage ici. Chaque entité a une histoire bien précise. Parlez-moi à travers cette vidéo que je fais. Il y a un message à délivrer, je suis là pour ça. Voilà, merci. Pourriez-vous, s'il vous plaît, juste vous manifester devant mon écran et rester quelques secondes mobile, immobile, enfin ne pas bouger en tous les cas. Faites une apparition de quelques secondes devant cet écran. Voilà. Ah, elle est belle celle-là, merci. Vous êtes à plusieurs à demeurer dans cette maison. C'est un passage, en tous les cas, d'un point A à un point B. C'est un refuge pour vous? J'entends le mot refuge. J'entends le mot aussi, la phrase bien-être. Vous vous sentez bien dans cette maison apparemment. C'est une maison familiale? Si c'est le cas, alors dans ces cas-là, vous pouvez partir parce que vous n'appartenez plus à ce monde. Vous pouvez libérer les lieux. Rejoignez la lumière. Celle du paradis, bien sûr, pas celle qui est sur mon écran. D'accord? Je vous remercie en tous les cas. Je ne suis pas là pour vous faire du mal, encore moins vous me faire du mal. Il y a un message. Donc, ne vous gênez pas de me parler parce que je n'ai pas les appareils adéquats pour vous entendre, mais en tant que médium, je sais que vous me parlez là à l'instant. Et si vous avez un message à me faire passer, allez-y. J'entends des voix d'hommes. Qui êtes-vous? Vous êtes coincé ici. Moi, je vous libère. Vous pouvez rejoindre la lumière. Vous, âme errante, qui êtes dans cette maison depuis pas mal d'années, je vous libère à rejoindre la lumière, rejoindre vos proches, aller vers cette lumière. Ça va vous apaiser. Rejoignez le paradis. Telle est ma mission actuellement. Je suis Nikki Skyline Face. Je suis Medium Profiler Spirit. Je suis là pour vous aider. Donc rejoignez la lumière et partez en paix. En tout cas, merci. Je ne vais pas m'incruster plus longtemps parce que je ne suis pas là pour ça non plus. Merci de votre présence en tous les cas ici. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez rejoindre la lumière, vous n'avez rien à prouver ici.
Rien du tout à prouver, vous êtes libre. Montez vers la lumière. Encore une fois de plus, j'ai failli me faire casser la gueule en loupant une marche. Merci et rejoignez la lumière. Merci. Vous êtes à plusieurs ici, hein, n'est-ce pas, hein? Alors je le répète, hein, il n'y a pas de vent. Il y a une atmosphère assez étouffante. Voilà. Ça, ce sont des orbes que vous voyez. Ils sont par milliers. Donc c'est un point crucial dans cette maison. Est un passage. Ah, merci, merci, merci. Voilà. Si c'était de la poussière, ça tomberait, ça ne voguerait pas. Après, s'il y avait du vent, effectivement, la poussière voguerait dans tous les sens. Mais là, ce n'est pas le cas. J'ai une atmosphère assez étouffante. Il fait un peu chaud. Et je suis au sous-sol. Donc, il n'y a pas trop, il n'y a pas de vent du tout. Et je peux vous l'assurer qu'il n'y a pas de vent du tout. Je suis au sous-sol. Pas dans une cave, mais au sous-sol. Il n'y a pas de vent du tout. C'est étouffante. Merci en tous les cas de votre présence, vous, orbe, esprit. Peu importe comment vous vous surnommez, nous on vous appelle comme ça, esprit. Donc rejoignez les lumières. Et je vous remercie infiniment pour votre présence sous forme d'orbe. N'hésitez pas à lâcher quand même des commentaires si vous souhaitez avoir des réponses à ça. Mettez un like, un gros pouce bleu, ça fera toujours plaisir. Et partagez la vidéo au maximum, c'est le but. Je suis là pour découvrir ce qui se passe à travers la vie par rapport à cette mort. D'accord? Parce que la mort sans la vie et la vie sans la mort, ça n'a pas de sens. Nous vivons, nous avançons dans la vie, et bien sûr, comme chaque être humain, eh ben nous mourrons. Et mais qu'est-ce qui se passe au-delà de la vie? Je parle au niveau de la mort quand nous sommes morts. Moi, j'ai ma petite idée. Et vous, vous avez votre idée? Que se passe-t-il quand le corps reste sur terre et l'esprit monte? Mais où va-t-on? Où va-t-on? On parle d'enfer, on parle d'abîme, on parle de d'abysse. Peu importe. Si vous connaissez le sujet, si vous en savez beaucoup sur les phénomènes paranormaux, allez-y, mettez-moi des commentaires, je me ferai une joie de vous répondre. Je suis Nikki Skyline, Face, Medium Profiler Spirit, Investigation. Oh, je perçois quelqu'un juste en face de moi. Vous ne la voyez pas spécialement, mais moi je la vois et je la ressens. Elle est un peu en colère parce qu'elle me demande de partir et c'est ce que je vais faire. À la base, je suis venu ici pour effectuer un travail qui n'a aucun rapport avec le paranormal, mais j'ai senti un appel et je suis venu. Je vous remercie infiniment en tous les cas. Et rejoignez la lumière. Monsieur, vous êtes juste en face de moi. Je ne peux pas vous voir avec mes yeux, mais je vous perçois avec mon sixième sens. N'ayez crainte, je vais partir. Rejoignez la lumière, monsieur, et partez en paix. Voilà. Maintenant, juste un instant. Je vais arrêter la vidéo, mais je vais prendre en photo. OK? Merci. En tout cas, vous, chers YouTubeurs ou chers internautes ou autres, mettez un pouce, commentez, inscrivez-vous, abonnez-vous, ce que vous voulez. Faites passer la vidéo, mettez un commentaire, tout ce que vous voudrez. OK? Faites passer parce que nous avons tous le droit de savoir ce qui se passe après la vie. D'accord? Merci et au revoir et à très bientôt, je l'espère.